Je vais plus dormir de la nuit après. Alors, oh, ok. On peut peut-être aller voir devant la statue. Là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut sortir de là, s'il vous plaît? Please? Shalom. Ok. Ça va être dur, ça. Au secours. Please help. Ah. Oh. C'était quoi, j'avais dit ça? On aurait... Mince... Hongrie. Je crois que c'est le drapeau hongrois. Mais voilà, là c'est bien, on peut voir le drapeau. Hein. Si vous... c'est quand même un bon indice, hein, si vous avez pas... On peut pas sortir de là, j'ai l'impression. Ou alors, difficilement... Maybe not. Non, mais je crois que c'est la Hongrie. Hein, de toute façon. Pourquoi il y a un putain de drapeau hongrois? Bah oui, il y avait le drapeau. Ça, encore une fois, ça doit être l'ambassade en fait. Bah oui, voilà, l'ambassade. On est d'accord. Parce que la dernière fois, j'avais vu une ambassade turque, alors que c'était pas du tout la Turquie. Je me suis fait avoir exactement pareil. Ah, quelle rage! Courte! Trois pays! Waouh! Ah, et toi aussi, t'as pas réussi à sortir. Eh ben, dis donc, il y a un bel high score là qui se prépare parce qu'il y avait déjà trois pays de guests. Je retournerai voir après, du coup, je vais en relancer un, mais. Hop. Il y en a qui ont l'air chaud là. Merde. Contrôle V, pas contrôle B. Paf. Je vous laisse un peu de temps pour commencer, comme ça je spoil pas. Et après, on va peut-être partir sur de la France. Ce qui va me rester qu'une heure avant de partir. On va switcher un peu. Regardez vite fait, du coup, si la partie est terminée. Ah, Gat qui a trouvé l'Argentine. Joli. Et après, du coup, c'était... Pologne. Et t'as choisi Hongrie. En même temps, ça a pas l'air d'être un quartier tu vas choper beaucoup d'infos, quoi. Oh, quoique, en vrai. Ouais. En vrai, si t'arrives à voilà, aller sur l'autoroute... Ah bah voilà, là il y avait des... Varsovie, c'est ça, hein? Warsaw. Ça va là, ou je sais pas quoi. C'est Varsovie, ça.
Ouais, pas de soucis, tiens. Yeah, no problem. Good luck. I'm going back to see all the other locations. But I will start the new one. Allez, let's go. Bon, ça c'est Grèce. Et vas-y, je m'en fous, Grèce. C'était une île de Grèce. Ça aurait pu être dangereux, hein, parce que ça aurait pu être Chypre. Hein. Parce que Chypre... Il y a du grec là-bas aussi. Hein. Ok. Oula. Oula, oula, oula. Ça, c'est pas un drapeau. Genre Bolivie ou un truc comme ça. Non. Pérou, Ecuador. Non, non, je raconte de la merde. Ah, quoique. Non, bah je... Dans le doute, je vais mettre Bolivie parce que j'avais envie de dire Bolivie, mais... C'est bizarre. Javier. C'est dommage que d'ailleurs on puisse pas voir où en sont les autres quand t'as terminé. En direct, je parle. Parce que tu vois seulement quand ils ont terminé. Pas quand... quand ça continue. Speranza, les... Nanana. Carouache. En vrai, je sais pas du tout. Je vais garder la Bolivie parce que si je change au dernier moment, je vais me faire avoir. Oh, il y avait un drapeau là. Oh, il y a un petit drapeau. Oh, c'est sûrement pas un drapeau du pays. Et c'était le Pérou. Dommage. Oh là là, vous faites vraiment des meilleurs scores que moi. Hein. J'ai pas vu de truc qui m'indiquait le Pérou, perso. Ah. Oh, nice. Nice, nice, nice. Donc, du coup, on peut regarder... Le 3, c'était Ecuador. Même pas que l'Équateur, il était... Street View V. Ah bah oui, bah il y a les... Voilà, il y a des... Je pense que voilà, tu peux trouver, voilà, avec ça. Ecuador, voilà. Donc, le 3 était trouvable. Le 4... C'était en Grèce, donc il devait y avoir du grec un peu partout. Juste trouver un peu... Voilà, il y avait du grec là. Le 5. H, ça allait loin hein, ici. Le 5, c'était quoi? Slovénie. 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 Bah. Pourquoi je vois pas le 5? Ah. What? Il y a 3 points au même endroit. Really? Oh la vache. Alors là, par contre, dur, hein.
Quoique, ça c'est pas le drapeau slovène? Non, je sais pas. En vrai, je pense pas, attends. Non, c'est pas le drapeau slovène. Ah, quoique là, il y a des drapeaux là. Et ça, pour le coup, c'est le drapeau slovène. Alors, le 6, c'est les UAE. Ça, c'est pareil, ça doit être assez facile à trouver, je pense. Et bon, voilà. Oui, bon, voilà. Ça c'est UAE direct. Désertique. Des énormes trucs. Marqué en arabe. UAE. Puis là, il y a les bonnes couleurs du drapeau en plus. Ok, donc Canada pour le 7. H. Dis donc, dis donc. Maximum 40. Oh, je sais pas si j'aurais trouvé. Ah bah si, kilomètre heure. Voilà, hein. C'est facile, ça peut pas être les États-Unis. Marqué en anglais comme ça, ça fait 13 États-Unis, mais c'est marqué en kilomètre heure. Canada. Donc 8, encore la Slovénie du coup. Regardez vite fait. On est tombé trois fois dans la même ville hein, sur celui-là quand même. Oula. Oula les problèmes. Ouais. Ouais, c'est une rue commerçante. Il y a peut-être des sites internet quoi à trouver. Pay safeguard. Jamais compris trop l'intérêt. Enfin, si, mais... Oh, il y a du français. Boutique Napoléon. On peut pas avancer par là. Ça, je sais pas si j'aurais trouvé, hein, perso. Le Netherlands, va y avoir des vélos partout, c'est ça. Ah non. Ah, oh, ça doit être dur, ça. Ah, quoique... Là, il y a des petits panneaux, si on arrive à les lire. Oh. Est-ce qu'on peut sortir au moins de ce truc-là? Ouais, ça va. On doit pouvoir même aller sur l'autoroute, là. Non? Le panneau a dit Amsterdam? Ah, j'ai pas vu. Ouais, voilà, t'arrives à monter, là, tu vois, 29... Ouais, donc ça fait très... Voilà, faut insister, des fois on peut monter quand même sur l'autoroute, même si on n'est pas... Si on est en dessous, .nl, voilà. Ok, donc la Tunisie. Oula. Oui, ça a l'air d'être un peu paumé la Tunisie, là, ça doit être un peu... Ça va pas être facile. Perso, j'aurais guess autre chose, hein, je pense. Vu comme ça. Elle a l'air d'être bien paumée en plus. Ok, donc la Slovénie, encore une fois. Bon, j'ai la flemme de regarder. Et donc pour ce challenge-là... Ah oui, vous avez tous fait trois pays, du coup. Afrique du Sud... Vous avez mis les autos. Ah, les autos, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir choisi les autos. Australia et Équateur. Raté.